Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de deux problématiques. Au départ, je devais parler uniquement d'économie collaborative, coopérative, sociale et solidaire. Quel modèle pour l'économie du partage qui va rejoindre sur certains aspects ce que Marianne a présenté. Et on m'a demandé de faire aussi de parler un peu de blockchain, parce que c'est une problématique sur laquelle on travaille dans ma société et pour les projets dont je viens de parler. Donc je vais commencer par la problématique blockchain. Blockchain, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est principalement un mot à la mode, hein, parce qu'aujourd'hui, on entend parler de blockchain un peu partout, pour un peu tout et n'importe quoi. Donc il faut faire un peu attention quand on entend parler de ça, parce que ce n'est pas forcément utilisé à bon escient aujourd'hui. Donc je vais faire un peu d'historique sur la blockchain. Déjà, la blockchain, elle est issue au départ du développement de Bitcoin, parce que c'est la technologie qui est derrière la monnaie virtuelle Bitcoin. Donc ça date de 2008-2009, avec la première implémentation du Bitcoin en 2009. Ensuite, dans l'histoire de ces blockchains, donc il y avait cette blockchain qui est derrière le Bitcoin. Il y a eu d'autres blockchains qui sont apparues ensuite, notamment avec Ethereum, qui a été une initiative autour de la technologie blockchain qui a permis de la populariser. On va voir avec de nouvelles choses derrière, de nouvelles fonctionnalités associées au-delà de l'aspect monnaie virtuelle de la blockchain. Et aujourd'hui, voilà, on est aujourd'hui où avec les fintech et le crowdfunding, c'est le mot sur lequel tous les investisseurs dont tous les investisseurs veulent parler aujourd'hui. Alors, ça c'est bien sympa, mais comment ça marche en gros ? Donc le principe de la blockchain, c'est qu'on a un réseau décentralisé d'ordinateurs qui fonctionnent ensemble. Et à un moment donné, ces ordinateurs, ils veulent s'échanger de la donnée. Donc dans l'exemple du Bitcoin, ils veulent s'échanger éventuellement des Bitcoins, de la monnaie virtuelle ou d'autres informations. Donc voilà, il y a deux ordinateurs qui veulent s'échanger des informations, donc faire une transaction. Cette transaction, du coup, ils vont la réaliser, ils vont passer un contrat entre les deux ordinateurs pour réaliser cette transaction, donc pour échanger de la monnaie virtuelle, par exemple, ou tout autre type. Ça pourrait être dans le monde physique pour s'échanger un bouquin, pour s'échanger un jouet. On se dit, bah, ok, j'échange un jouet, par contre, tu me le rends plus tard. Et le principe de la technologie blockchain, c'est qu'au moment où cette transaction va apparaître, l'ensemble du réseau décentralisé autour va valider la transaction pour être sûr, pour qu'elle est fiable, pour s'assurer de la sécurité et de sa validité. Donc l'ensemble des nœuds qui participent à la chaîne valident. Et ces nœuds, en général, sont récompensés, c'est ce qu'on appelle le minage. Dans le cas du Bitcoin, ils sont récompensés par des Bitcoins qu'ils gagnent au fur et à mesure du temps parce qu'ils participent à ce processus de validation. Techniquement, ensuite, une fois que cette donnée a été validée par l'ensemble des nœuds de la blockchain, ces transactions elles sont stockées dans ce qu'on appelle des blocs, qui sont ensuite stockés sur chaque ordinateur du réseau dans une chaîne. C'est pour ça qu'on l'appelle blockchain, parce que c'est des blocs qui sont stockés dans une chaîne et sur l'ensemble du réseau distribué. Donc ça peut servir, j'ai parlé pas mal de Bitcoin, il y a aussi Litecoin dans les crypto-monnaies, pour s'échanger de manière fiable des éléments monétaires, de l'argent concrètement. Avec notamment Ethereum et par la suite, après le Bitcoin, on a commencé à réfléchir à comment avoir des transactions qui se fassent de manière plus intelligente avec des choses un peu plus complexes que de la monnaie. Donc sur la blockchain Bitcoin, on a rajouté une couche qui s'appelle les Colored Coins, où il y a les smart contracts avec Ethereum. Ça permet de faire transiter n'importe quelle donnée dans ces transactions. Donc ça peut être par exemple des titres de propriété, des bulletins de vote pour réaliser un système de vote. Tout à l'heure avec Marianne, on parlait de Backfeed, qui est un système de prise de décision décentralisé. Ils utilisent notamment un peu ce système. Ça peut être des services plus larges, ça peut être
des contrats comme on signerait un contrat avec, avec une personne tierce. Avec l'intérêt dans les smart contracts, c'est que en fait, on peut définir les smart contracts comme du code. Donc ça veut dire que son contrat, il va pouvoir être automatisé. Et prenons un exemple, si on passe un smart contract qui dit que, par exemple, pour un service de covoiturage, à partir du moment où j'ai réalisé un covoiturage avec cette personne, il y a 10 euros qui sont transférés de mon compte au compte du conducteur, du coup ça permet d'automatiser la chose, et dès que le trajet est effectivement réalisé, les 10 euros automatiquement, sans qu'il y ait rien à faire dans la vraie vie, sont transférés par le fait du smart contract. Et c'est ce qu'a permis notamment d'apporter Ethereum et tous les développements récents sur la blockchain, et c'est ce qui fait son intérêt aujourd'hui, parce qu'on peut faire des choses très complexes, et aujourd'hui tout est à inventer en gros. Donc quelques exemples de services qui utilisent la blockchain, on peut citer notamment Slockit. Slockit, en fait, c'est un système qui permet de remplacer les propriétaires dans Airbnb, en gros. On va pouvoir louer un appartement, et au lieu d'avoir à rencontrer le propriétaire pour ouvrir la porte de l'appartement, la blockchain va gérer le fait d'avoir une serrure connectée qui va s'ouvrir au moment où on arrive avec son smartphone devant la porte. Des choses comme ça. Bitnation, c'est de la e-citoyenneté en Estonie. Ils travaillent avec le gouvernement estonien pour donner une citoyenneté numérique, notamment aux réfugiés, qui est basée sur la blockchain. Donc le titre de citoyenneté est stocké sur la blockchain et est associé à un réfugié ou à une personne qui bénéficie de cette citoyenneté. Il y a Bitland au Ghana, c'est du cadastre. Arcade City, qui on en a pas mal entendu ces derniers temps, c'est un système de VTC qui va sortir en octobre. Ils n'ont pas encore sorti leur application, mais qui repose sur la blockchain pour les échanges financiers entre passagers et conducteurs. Et il y a plein d'exemples. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait dans la blockchain ? Donc, j'ai dit qu'on avait un service de covoiturage, nous c'est pour les trajets courtes distances du quotidien. On a un système de monnaie virtuelle qui repose sur la blockchain. Donc le principe, c'est qu'un crédit égale un kilomètre de covoiturage, et à chaque fois qu'un trajet est réalisé, des crédits automatiquement vont être transférés du compte d'un utilisateur à un autre par l'intermédiaire de la blockchain. Nos trajets également seront publiés sur la blockchain, et ça va permettre aussi d'avoir une interopérabilité, c'est-à-dire que nous, on a notre application, mais le fait que le fonctionnement de la blockchain soit décentralisé et ouvert à d'autres acteurs, il peut y avoir un écosystème autour qui permette d'avoir d'autres applications qui utilisent la même monnaie virtuelle que nous. Notamment, on réfléchit aujourd'hui à travailler avec des monnaies locales sur des dynamiques territoriales de circuits courts pour avoir une complémentarité entre notre monnaie virtuelle et ces monnaies locales. Et c'est l'intérêt aujourd'hui qu'on voit dans cette technologie-là. Et le deuxième aspect, c'est pour notre service, une autre plateforme qu'on crée, c'est Chèque Covoiturage. C'est un peu le chèque déjeuner du covoiturage, sur le principe. Et notre objectif sur chaque covoiturage, c'est que ce soit ouvert à d'autres plateformes de covoiturage. Et donc du coup, le modèle décentralisé de la blockchain qui fasse qu'on ne contrôle pas forcément tout ce qui se passe dessus, permet de garantir de la confiance vis-à-vis des autres acteurs qui vont participer avec nous à ce système. Ça permet également aussi d'avoir des échanges directement, sans passer par une plateforme centralisée, entre les différentes plateformes de covoiturage qui pourraient participer à ce réseau. Et notamment, par exemple, si un utilisateur qui est sur une plateforme A veut réaliser un trajet qui est déclaré sur une plateforme B, les échanges de trajets et financiers pourront se réaliser de manière décentralisée par la blockchain. Et ça ouvre de nouveaux possibles et de nouvelles manières de coopérer entre différents acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, qui peuvent avoir des intérêts divergents, mais qui ont un intérêt à collaborer ensemble sur quelque chose qui n'est pas forcément contrôlé par une seule personne. Voilà, sinon, on ne fait pas que de la blockchain. Nous, l'intérêt de notre service de covoiturage, c'est surtout de faciliter l'usage du covoiturage, et notamment de répondre aux besoins de flexibilité qui, en général, empêchent de covoiturer. Mais ça, c'est plus la slide un peu pub. C'est le principe. Donc, si on a tout bien compris, a priori, on doit comprendre que la blockchain, ça doit être un nouveau moyen de détruire le modèle social un peu pour aller encore plus loin que ce que fait Uber.
Donc ça, c'est la transition vers ma deuxième présentation sur l'économie collaborative et coopérative. Voilà, je pense qu'il y a, d'autres modèles qui peuvent émerger, mais ça ne tient qu'à nous de les faire émerger, de faire en sorte que la blockchain serve à des choses meilleures. Voilà, donc deuxième présentation. Maintenant, je vais vous parler d'économie collaborative, coopérative, sociale et solidaire. Quel modèle pour l'économie du partage ? Déjà, je commence par faire un petit quiz. D'après vous, quelle est la finalité de plateformes comme Airbnb, BlaBlaCar ou Uber ? Est-ce que c'est... qui pense que c'est pour développer le partage ? Pour permettre de faire des économies ? Ah, y en a quelques-uns. Pour tuer les taxis et les hôtels ? Ah, c'est pas mal aussi. Ou pour créer de l'emploi ? Y en a qui votent deux fois, je crois. Ou trois. Non, ben voilà, c'était ce qui manquait. C'est l'unique finalité au final de ces plateformes, c'est de reverser un maximum d'argent à leurs actionnaires. Au niveau stratégique, c'est ça qui va guider les choix de ces plateformes à l'avenir. Après, c'est un modèle d'entreprise qui existe depuis longtemps et ça peut être légitime, mais il faut le savoir. Les décisions stratégiques à venir de ces entreprises, elles vont être guidées par comment donner le plus d'argent aux actionnaires. Et du coup, en plus avec ces plateformes qui ne sont pas forcément celles qui détiennent le capital au final, qui sert à effectuer le travail, notamment les voitures dans le cas d'Uber, y a des problèmes sociaux qui se dégagent derrière et des problèmes d'accaparation des revenus qui sont générés. Alors, dans ce cadre-là, comment être cohérent avec la notion d'économie du partage ? Parce qu'on promeut le fait quand même d'essayer de partager des biens, des ressources, des trajets. Voilà, donc nous, on a notre petite idée là-dessus. Donc tout à l'heure, Gabriel a parlé de logiciels libres, de communs. C'est une des réponses, mais pour moi, ce n'est pas la seule, parce qu'avec des logiciels libres, le fait qu'on utilise ou qu'on ait une plateforme basée sur des logiciels libres ne dit rien de ce qu'on va en faire et de la manière dont on va utiliser les gains qu'on va récupérer de cette plateforme, ou ne dit rien sur l'éthique finale de la plateforme. Par exemple, Google utilise beaucoup de logiciels libres. Leur finalité n'est pas forcément une finalité éthique et vertueuse. C'est comme pour les autres plateformes que j'ai citées plus tôt, de gagner un maximum d'argent. Voilà. Donc c'est un des critères qui permet d'évoluer de manière collaborative, mais c'est pas une finalité. Enfin, c'est pas un critère suffisant pour ça. Nous, enfin moi, ce qu'on pense au sein de ma coopérative et ce dont Marianne a parlé tout à l'heure, c'est les plateformes coopératives. L'objectif, c'est d'impliquer les salariés, les utilisateurs, les partenaires, le plus grand nombre possible de parties prenantes dans la direction, la gouvernance et dans le capital de l'entreprise. Je ferai remarquer d'ailleurs qu'en France, à Marianne, que ça existe depuis 1884, c'est la petite pique, je lui avais dit que je la ferais. Donc voilà, aujourd'hui il y a un mouvement avec Platform Cooperativism, la Peer-to-Peer Foundation, mais c'est un mouvement qui a beaucoup plus d'ancienneté, on connaît en général les scopes, on en parle beaucoup pour de la reprise d'entreprise, notamment par les salariés, mais voilà, des plateformes numériques peuvent se créer sous cette forme, ou les sociétés coopératives d'intérêt collectif qui sont... un modèle un peu différent de partager la gouvernance entre les utilisateurs, les salariés et les partenaires. Et ce que permettent ces coopératives, à notre sens, c'est de mieux prendre en compte la notion d'intérêt général. Le fait de partager sa gouvernance avec les principaux intéressés et avec nos utilisateurs, avec tous ceux qui participent à la vie de l'entreprise, permet de garantir que les décisions qu'on prend le sont en prenant en compte les avis de tout le monde. Donc c'est quelque chose qui nous semble important. La manière dont ça fonctionne chez nous, donc on a deux collèges. On a d'un côté les salariés qui sont majoritaires dans la gouvernance de l'entreprise, et on crée une association qui va regrouper les utilisateurs, les financeurs, parce qu'on va faire une campagne de financement participatif qui seront associés à la gouvernance de l'entreprise aussi. À terme, les partenaires sur des actions sociales qu'on va mettre en place et dont je parlerai juste après. Et l'objectif, c'est que cette association ait une part dans le capital et dans la gouvernance de l'entreprise, en droit de vote,
et puisse influer sur la manière dont on va développer notre activité. Donc j'ai parlé surtout de gouvernance aujourd'hui. Il y a aussi un autre aspect, c'est l'utilité sociale qui est importante. Je pense que quand on crée une entreprise, au moins au départ, on a envie que ça serve à quelque chose de positif. On n'a pas forcément envie de planquer nos bénéfices au Panama et de faire de l'évasion fiscale. En tout cas, nous, on essaie de faire autre chose et je pense qu'il faut promouvoir des modèles d'entreprendre différents. Et nous, dans le secteur de la mobilité, on a une problématique, en plus de l'aspect environnemental, le fait que partager des trajets, ça permet d'avoir un impact environnemental moins élevé. On a aussi des aspects sociaux importants, des aspects de mobilité inclusive, avec 50% des personnes en situation d'insertion qui ont déjà refusé un emploi ou une formation pour des raisons liées à la mobilité. Et ces difficultés, elles peuvent concerner 20% de la population française. Donc c'est quelque chose de non négligeable. Et du coup, on a voulu le prendre en compte en s'inspirant de ce que fait l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est les associations, c'est les coopératives de fait de droit, c'est tous les acteurs de l'économie, les acteurs de l'insertion, tous les acteurs de l'économie qui essaient d'avoir une utilité sociale. Et du coup, ce qu'on met en place de notre côté pour répondre à cette problématique autour de notre monnaie virtuelle sur la blockchain, du coup, c'est qu'on va reverser des crédits gratuitement aux personnes qui sont en situation d'insertion. Donc on travaille avec des acteurs du territoire là-dessus. Ces crédits, on les reverse parce qu'une partie des marges, des bénéfices, du chiffre d'affaires qu'on réussit à dégager auprès des utilisateurs qui eux, vont faire du partage de frais, et nous, on prend une commission de 20% lorsqu'il y a du partage de frais, une partie de ces 20%, du coup, va être reversée en crédit de monnaie virtuelle vers les personnes en insertion. Et ça répond pas totalement, mais ça répond au moins en partie à la problématique de mobilité inclusive, parce qu'on va permettre à des gens qui ne pouvaient pas se déplacer, de se déplacer gratuitement, et donc d'accéder plus facilement à l'emploi. Voilà, donc je pense que ce modèle, pour moi, c'est le modèle qui doit répondre, je réponds un peu à la question que j'ai posée de manière ouverte au départ, mais c'est à vous d'en juger, mais en tout cas, je pense qu'il faut développer les coopératives, qu'elles soient participatives ou d'intérêt collectif. Il faut développer l'économie sociale et solidaire dans le numérique, parce qu'on se retrouve aujourd'hui dans un monde où, d'un côté, on a l'innovation numérique qui crée du désordre social, et de l'autre, on a une économie sociale et solidaire qui a raté le tournant du numérique. Et c'est important qu'il y ait des initiatives, et c'est important de vous sensibiliser si vous travaillez dans le numérique pour faire en sorte que ce type d'entreprise soit créé le plus fréquemment sous cette forme et créer des nouveaux modèles économiques qui permettent d'avoir une réelle utilité sociale, sans oublier l'aspect logiciel libre et données ouvertes qui permettront, comme disait Gabriel, de créer des communs qui permettront d'innover et à de nouvelles entreprises coopératives de se créer grâce à ces communs. Donc pour moi, c'est un modèle cohérent. Et c'est un modèle qu'il faut développer.